En judo, les jeunes du Hainaut avaient rendez-vous ce samedi avec le championnat provincial qui se déroulait à Flobecq. L'occasion pour nous de dresser l'état de santé de cette discipline. Léo, le Jacques Leroy de Flobecq accueillait pour la toute première fois une compétition de judo avec les championnats du Hainaut pour jeunes. Cette organisation est l'œuvre du tout nouveau judo club du Pays des Collines et malgré la neige, les judokas ont répondu présent. Simon Dubois et Yugurta Sarawi ont assisté au combat des catégories féminines. À peine plus d'une année d'existence et déjà le judo club des Collines se lance dans l'organisation d'un événement d'ampleur, le championnat du Hainaut pour jeunes. Je suis déjà arbitre régional et que ma passion c'est quand même le judo. Et ayant des connaissances au niveau de la Ligue, de la Fédération, le comité provincial du Hainaut, j'en ai parlé. Et en plus je suis très bien soutenue par la commune. Résultat, une belle organisation et des clubs qui ont répondu présents. Ce championnat du Hainaut, c'est la première étape dans le niveau des compétitions en Belgique. Ici, c'est indispensable pour pouvoir aller au niveau régional, donc par la suite, et après accéder au niveau national. Et je vais dire, pour tous les clubs, c'est indispensable d'au moins d'aller au niveau provincial et apprendre et acquérir de l'expérience. Lors de ces championnats, beaucoup de jeunes judokas viennent faire leurs premières armes. Pour d'autres, c'est une simple formalité avant d'atteindre le niveau régional ou même national. Nous, personnellement, à l'école judo Moucron, on donne la chance à tout le monde. Il y en a qui sont un peu meilleurs que d'autres, mais on donne la chance à tout le monde au provincial. Il y a d'une part la motivation des jeunes, mais également l'œil de chaque moniteur. Et je pense que c'est l'ensemble qui fait que l'enfant, enfin le jeune, l'ado, doit être prêt pour cette compétition et on le prépare au mieux. C'est aussi dans ces championnats provinciaux que débutent de grandes carrières nationales ou internationales, comme celle de Charline Van Snick, récente médaillée de bronze aux JO de Londres et fer de lance d'un sport en manque de médiatisation. À l'heure actuelle, je pense que le judo est quand même en difficulté parce qu'il y a quand même d'autres sports qui gravitent autour de nous. Mais dans l'ensemble, la province du Hainaut en judo se maintient au niveau des affiliés. La publicité des Jeux Olympiques a quand même fait son œuvre. Donc on a, il est vrai, une très très bonne rentrée au mois de septembre, surtout chez les plus jeunes, donc chez les ceintures blanches. Et il y a cet engouement pour les ceintures un peu plus confirmées de participer un petit peu au championnat pour un peu imiter leurs idoles qu'ils voient à la TV. Quoi. Le judo a été montré à la télévision, c'est le plus important, et forcément ça attire des jeunes. Malgré l'effet Van Snick, le judo reste un sport un peu plus apprécié des garçons. Samedi, certaines marches du podium sont restées vides, faute de participantes dans certaines catégories.